Salut à tous Salut Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour faire le débrief de l'UFC 301, cette UFC qui a eu lieu à l'arène olympique de Rio dans la nuit du 4 au 5 mai, euh, donc ce week-end. On est mardi, nous, pour, faire, pour ce, faire ce débrief. Bon, on a mis un petit peu de temps, problème d'organisation, bah, on rentre dans le détail de nos vies ou pas C'est ta faute ça hein ça fait. Euh, il avait des achats à faire euh, farfelu et loufoque à la foire de Paris, c'est ça C'est ça. <laughs> et en plus de ça, je lui demande ah, un truc, il n'a pas trouvé le mec. Puis, bah, il a... Ça l'a bien pas dedans. <laughs> Donc bon, voilà, la, la, la vie privée, la vie euh, perso a, a pris le pas sur le podcast, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Euh, on va faire un débrief une fois n'est pas coutume que de la main card. Bah parce qu'on est déjà des grosses pipelettes, donc si on s'amuse à faire trop de combats, voilà, c'est exceptionnel pour l'UFC 300. Mais là, voilà, on, va, on va rester sur cette main card. Euh, main card, de toute façon, qui a démarré sur les chapeaux de roue, hein, parce que les trois premiers combats se sont finis assez rapidement. Euh, pas, on n'a pas dépassé le deuxième round, voire même le début du premier round pour certains combats. Et après, on discutera véritablement des combats qui nous ont intéressés, c'est-à-dire de José Aldo contre Martinez et euh, de, euh, bah de, de, du, du combat qu'on avait analysé, Pantoja contre, euh, j'allais dire rival, oh, n'importe quoi, tellement ils s'affrontent tout le temps les mecs, tu sais, <laughs> contre Herseg. Donc euh, très beau combat, euh, à la hauteur de, de ce qu'on avait vu dans l'analyse, honnêtement euh, pas déçu du tout, du tout de ce combat. Bon par contre il y a tellement de choses à dire qu'il faut que tu fasses le choix dans ce que tu notes, dans ce que tu vas dire, non parce qu'en fait tu pourrais faire un débrief de, de seconde par seconde de tout ce qui s'est passé dans le combat. Ah, donc, euh, donc voilà. Mais on finira là-dessus tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer avec euh, Caio Boraglio euh, versus Paul, euh, Paul Craig. Donc euh, Déjà, moi, ce que j'ai kiffé, c'est euh, le personnage de Boraglio qui, euh, avec ses lunettes de geek, l'entrée avec toute la team, avec les lunettes de geek, franchement, euh, top, tu sais, ce, ce, parce que lui, tu sens qu'il est complètement aveugle. Hein, la première des choses qu'il demande à son camp, c'est ses lunettes. Donc, euh, encore un énième combattant UFC du <laughs> Fort, mais c'est la preuve qu'on peut le faire. C'est la preuve que c'est possible, tu vois. Donc, euh, donc ouais, non, c'est fort. Après, bon, c'est pas s'il ne voit vraiment pas ou si, euh, voilà. Mais bon, dans tous les cas, en tout cas, c'est des belles performances. Mais ça veut dire aussi que l'être humain est capable de s'adapter et de bah, de créer un jeu, de créer un style au travers de, de tes problématiques, quoi. Donc mmh. euh, ça c'est une bonne chose déjà mais je pense qu'il a vraiment des problèmes de vue parce que vu la gueule des tatouages c'est qu'il ne devait pas avoir ses lunettes quand on lui a fait parce que franchement ils sont pas ouf il y a zéro cohérence il a marqué un truc dans son cou il y a pas de, je sais pas il y a du chinois il y a du japonais il y a de l'anglais il y a tout ce que tu veux le mec c'est un b c'est une les c'est babel tu sais c'est le site de traduction tu vois il est là il est sur lui donc, euh, donc bon voilà en tout cas euh, combat sympathique euh, avec un Paul Craig que j'ai pas du tout compris franchement honnêtement il n'est pas été euh, du tout au rendez-vous ouais, donc du, du Paul point. Craig on a un... ouais oui mais bon quand même quoi on a un Boralio qui est en gaucher qui est qui est style karaté et un Paul Craig qui lui cherche alors c'est même pas à lutter en vrai il cherchait à tirer la garde Mais ben ouais mais parce qu'il sait pas lutter ouais. ouais non non mais bien sûr je, je suis d'accord mais de le voir se jeter avec une telle distance pour tirer la garde sur un mec qui clairement ne voulait pas, euh, ne voulait pas rester au sol. Enfin, tu vois, as, la stratégie. Elle est... Enfin, tu sens tout de suite que la stratégie, elle est morte. Elle est foireuse, enfin, bah ouais. du tout. Donc, euh, donc très vite. Hein, en tout cas, il a, il a cherché, euh, il a cherché à coller, euh, à coller Boraglio, à lutter avec lui. <laughs> Mais comme il parle de loin, bah Boraglio, euh, qui refuse. Il, est, il est, en fait, il a, il a réussi à le stopper. Euh, bon, Alio, lui, euh, bah, il, a fait, il a fait son taf. Hein. Euh, le fait qu'il soit, alors, ce qui était marrant, c'est qu'il cherchait à passer sur l'extérieur. Tu sais, il envoyait son jab donc avec sa main droite puisqu'il était en engauché. Mm -hmm. Mais enfin, euh, c'était pas, un... il y avait du jab, mais il y avait aussi du crochet. Mais vraiment à l'extérieur, il essayait de passer par-dessus la garde oui. de Paul Craig. Tout le temps. et ouais. euh, Ça marchait plutôt bien. Ouais. De, de toute façon, en vrai, il n'avait aucune défense, euh, Craig. Non. Craig il prenait tout. Tu sentais qu'il voulait pas les prendre en plus, donc il était craintif. C'est compliqué. Franchement, à ce niveau là, c'est très compliqué d'être aussi limité. On est d'accord, on est d'accord. Mais ce qui est intelligent, en fait, de venir chercher sur le crochet à l'extérieur comme ça, c'est qu'il se libérait l'espace pour justement sa gauche, ouais. qui est la frappe qui a fait le, le, le plus de dégâts hein, dans le combat. D'ailleurs, c'est celle qui est à l'origine de la, la séquence de fin. Mais, euh, mais Paul Craig ouais, lui ce qu'il a fait jusqu'à sa réadaptation c'est qu'il a envoyé un peu plus de alors il a envoyé sa jambe arrière donc euh, à différentes hauteurs mais surtout en middle mais il se faisait contrer tout le temps dessus en fait voilà c est, c est, euh, tu sais je vais repartir sur le combat euh, tu sais de de Volkanovski contre, euh, contre Iliato Pouya tu vois où on disait que le middle n'était pas forcément toujours la bonne la bonne solution surtout quand tu es contre un mec qui va exploser vers toi en anglaise enfin tu vois parce que forcément, bah, tu, tu laisses une ouverture, en fait, tout simplement. Si tu veux vraiment garder la distance avec ton adversaire, mais utilise plus de coups de pieds frontaux, de side kick, de front kick, de type. tu Essaye essay plutôt d'utiliser cette stratégie-là ou travaille sur ton anglaise en ligne directe, tu vois, mm. dans ce cas-là. Mais ne viens pas mettre des coups circulaires où tu sais que ton adversaire va rentrer. Mais vois, surtout quand tu les mets sans puissance. Parce qu'ils étaient sans puissance. Ils les mettaient pour les mettre. Encore, tu envoies un gros middle, tu sais, les mecs de la boxe taille, gros, gros middle qui freinent ton avancée, ouais. Mais là, il n'y avait aucun intérêt. Ouais, mais le mec de la boxe taille, il va, il va faire un setup. Tu vois, il va envoyer par exemple son jab et son middle. Tu ouais, vois, ouais je... oui, oui. Donc, euh, donc forcément, tu sais, tu as moins ce truc où euh, dès que tu vois la hanche, en plus forcément, tu sais, c'est euh, une arme longue, hein, la jambe. Donc forcément, elle met plus de temps à parvenir. Donc, quand tu vois la hanche qui démarre, tu as juste à rentrer en fait dans l'enchaînement. Le, et euh, c'est ce qu'il faisait très bien, Boraglio, parce qu'il a très vite compris que dans le rapport de force, il était meilleur. Donc, il rentrait tout de suite. En plus, avec son style explosif, où il faisait en plus des petits appels pour faire déclencher un peu euh, euh, Craig. Et puis après, il rentrait dedans. Non, franchement, il a, il a bien joué euh, ses cartes. Maintenant, est-ce que Boraglio… Euh, euh, pourra reproduire ça, tu sais, euh, contre d'autres personnes. Tu vois, ça c'est la, la, la question. Tu Est-ce que, est que ça passera plus haut ou contre ah, meilleur écoute, Moi, sa performance, ça ne m'a pas forcément impressionné. Non. Non, moi non plus. Parce que, euh, parce que Craig a fait n'importe quoi, en fait. Donc, on ne sait pas où il en est pour bon Craig, Craig, euh, te dis, moi, euh, à partir du moment où, en fait, on a compris son jeu et on sait qu'il faut pas aller au sol avec lui. Parce qu'au début, ça fonctionnait parce que les mecs acceptaient plus ou moins, tu vois. Tu te dis, je suis dans la garde, je score, je vais mettre quelques frappes, tu te fais soumettre. Ok, ça arrive une fois, bah, ça va plus arriver. Il n'y a plus personne qui va te suivre au sol. Donc, tu es obligé de boxer, donc c'est mort pour toi. C'est clair. Et puis Boralio, bah lui, il a bien géré. Hein. Quand il a compris que la droite, c'était la solution, tu vois, il est venu checker euh, la, la main de, de, de Paul Craig, tu sais, euh, avec sa main avant. Puis, euh, sa gauche, pardon, pas sa, sa droite, sa gauche. C'est l'habitude d'avoir les mecs dans la bonne garde. Donc euh, là, il a envoyé sa, il a envoyé sa gauche euh, mmh. directement, euh, justement en avançant sur le middle. Puis après, euh, bah, quand il a touché avec sa gauche, euh, il m'a envoyé son crochet du droit qui fait mal. Il accélère avec euh, justement, son, encore une fois, son direct du gauche qui va finir le travail et mettre KO définitivement Paul Craig. Euh, il l'a éteint complètement Paul Craig. Ah, il, heures, il est descendu à genoux. Il a mis du temps à se relever. Donc euh, donc voilà, Bon bah, bonne entame de, de cartes. De carte euh, carte principale, mais euh, mais bon. Paul Craig en fait, il est classé en plus encore. Il était classé. Il était classé, oui. Il était classé, je crois. Que je dis pas, je veux pas dire de bêtises. J'ai pas noté le classement. J'ai noté qu'il était 15 Ouais. Oui, donc ça fait une entrée dans le top 15 pour Boraglio. Ouais. Euh, Daniel Cormier qui met les lunettes de geek euh, justement parce que parce que voilà il veut faire partie de la team. Il a adoré les lunettes donc c'était c'était très drôle. Et, euh, et c'est là où euh, tu vois, Boralio il faut. Hein, les chevaux, tranquille. Bon, il veut, il veut les 50K. Ok, il a fait un beau KO. Ça, ok, qu'il appelle les 50K, il n'y a pas de problème. Par contre, il veut canonnier. Calme-toi. <laughs> tu vois bon, non, mais Déjà, ouais. tu sais qu'il est bouqué, donc c'est complètement con comme call-out. Non, mais déjà, et puis il est beaucoup trop. Haut. Enfin, si tu viens à peine d'entrer à dans le top 15, calme-toi, tranquille. Tu vois. Non, mais on le voit que ça peut se faire. Mais si tu es sur des perfs de fou. Tu vois, là, t'as pas fait le combat de ta vie contre un adversaire euh, ouf. Tranquille. Ouais. Bon, après, c'est un personnage. Hein. Il, fait le, il fait le spectacle et tout ça. Ça, l'UFC aime bien aussi, tu vois. Donc, euh, donc, faut voir où ça l'amènera. Mais bon, ouais, il y, y, y a au moins un ou deux steps avant d'avoir avant un canonnier, je pense. Hein. Ouais, même plus, hein. Oui, non, mais pour vrai, si, si vraiment il y en a... qui. Bah, tu vois, là, je, je, je regarde le classement qui vient d'être mis à jour. Ouais. Il est classé 12e. Bon, allez. Donc, il a fait quand même un gros step, hein. Ouais. Un gros, ouais, gros, stage, pour ça ouais. que je te dis, je te dis un, un ou deux, encore une ou deux étapes. C'est pour ça que je te dis, c'est pas, pas déconnant. S'il y a un accélérateur sur lui, tu vois, pourquoi pas? Maintenant, il faut les passer. Ouais. Ouais. Ensuite, Yor Potieria, c'est là où il fera attention, versus Michel Pereira. Donc, Michel Pereira, notre breakdancer, capoeiriste, combattant. Euh, mi-homme, mi-séducteur euh, mi de l'île de la tentation. Tu sais, il avait un peu un style, <laughs> il a un style télé-réalité dans le... <laughs> il arrive en salto avec une rose entre les dents. C'est ça, exactement. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Ayam. Mi-gitan, mi-brésilien. Comment tu dis mon copain en, vrai, en portugais <rire> 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 Mon amigo, mon amigo <laughs> Bon, <laughs> le combat le plus rapide de la soirée, en tout cas, de, je ne sais pas de la soirée parce qu'on n'a pas vu le, le reste de la carte, mais en tout cas de la de, de, la, la, main carte, card. Euh, de la main card. Moi, bon, c'est très simple, hein. euh, petit enchaînement gauche-droite qui met knockdown justement euh, Yor. Salto arrière, suivi d'un grand N-Pan en nord-sud. Euh, ça se relève, il prend la guillotine debout, Yor tape. Bon, merci, bonsoir. Voilà, c'est un peu. Euh, et il s'écroule derrière. Hein. Il prend la guillotine, il s'écroule. Donc, euh, ça veut dire que vraiment, on était il était bien débrouillés. C'est un short notice pour Yor. Ouais, bah, c'est un... un short. Ah, aussi. C'est ouais, <laughs> grave. grave. Est en plus, c'est qu vrai qu'en écoutant les commentaires, je n'avais pas relevé ça, mais il est déjà bouqué sur un autre combat, Yor. Donc, c'est assez rare que ça arrive, tu vois. C'est-à-dire qu'il déjà... était déjà bouqué sur un autre combat avant d'accepter celui-là. Il va combattre contre Sharapouddin, euh... tu sais, le... le tchétchène mmh. avec l'œil. Euh... Au mois de juin? Au mois de juin. Donc il était déjà bouqué sur un combat. Il oui, prend du short bien. notice. Et, euh, et ça se passe très mal. Hein. Ça se passe très très mal. Bah, Pereira, il... T'en penses quoi de Pereira euh, À part le fait qu'un jour il va se faire disqualifier en mettant un coup de genou dans la ouais, tête ça, de un hein, sur un salto arrière Ça euh... c'est un vrai problème. En fait, quand, quand j'ai vu le, le salto, je me suis dit c'est honteux. Mais... Quand tu regardes, en fait, c'est la même chose que, tu sais, les mecs, quand ils se relèvent à la cage, les adversaires qu'on voit les coups de genoux au corps, où ça frôle la tête à chaque fois. Ouais. Ils jouent avec ça. Tant que tu ne touches pas la tête, en vrai, tu ne peux rien dire. Ouais, sauf que là, c'était limite, parce que tu as Bruce Buffer qui a parlé avec la commission avant de donner le résultat. Tu vois, il y a eu un pour parler quand même. Il y, y a eu un pour parler. Revu l'action pour, pour dire. Après, si j'ai revu, a... j'ai revu, je ne vois pas forcément toucher. Tu as vu, ça, ça, ça passe sur le côté. Ça tape l'épaule. Ça, ça tape l'épaule. Il n'y a, a rien. Donc, ouais. Finalement, tu ne peux rien dire. Pour le coup, pour le coup non, mais il n'y a, a pas. Mais il suffit juste que, que, que Yor euh, tourne un peu la tête et c'est fini. Quoi. Donc, je suis d'accord, euh... mais ça, c'est valable sur, sur, sur toutes les phases de combat. Il ouais. y, ah, y, ouais. y a plein de phases de combat où tu dis il suffit que le mec baisse un peu la tête et il le prend dans le, dans le menton. Tu vois, notamment sur les phases où je te dis les, les mecs qui sont euh, assis. Euh, tu, tu vois, quand tu es assis à la cage. et que ton... euh, D'ailleurs, euh, Pantoja en fait un sur, voilà. euh, sur SEG. Tu vois, des fois, ça se joue à un centimètre de le prendre au non, visage. La, la différence entre, entre ça et le salto arrière, c'est que ça, tu vois ce que tu fais, tu vois ton action, tu peux la stopper. Enfin, tu vois, tu t as, t as un contrôle sur ton action puisque tu es face à, à ton adversaire. Donc, tu vois ce qui se passe. Lui, il, il doit se repérer dans l'espace. Enfin, tu vois, c'est. Ça, c'est ah, sûr. Tu sens quand même qu'il prend, tu vois, dans la manière dont il fait son salto, il ne le fait pas droit. Il le fait non, un peu le en diagonale. Ouais. Mais quand même, bon, tu prends un risque. Après, c'est ah ce qui qu fait tu la du personnage. Un tu prends un risque de fou, mais euh, mais pour le coup, tu peux pas l'interdire. C'est non non. Ah n'ai ben, j'ai pas parlé d'interdiction. Mais tu prends un, le risque de te, de te risque. faire disqualifier. Ah, je suis juste parlé de risque. Maintenant, ce que je pense de lui, bon, c'est un combattant, et, euh, tu vois, euh, sensationnel. Il a du punch. Euh, il a la foudre dans les poings. Ça, c'est sûr. Il est complet. As euh... Sur le gauche-droite, j'ai mis le ralenti. La droite ne touche pas du tout. Hein. C'est que mmh. le jab qui le fait tomber. C'est le jab, ouais. ouais, ouais. Euh, alors il est pas knockdown, hein. c'est plus un déséquilibre. Oui ouais, en fait c'est parce qu'il il... envoie la jambe au même moment. C'est ça, parce que c'est en fait c'est vraiment pas c'est vraiment pas un knockdown. C'est vrai même moi j'ai marqué knockdown parce que, parce que voilà c'est pour, pour me grossir un peu sa performance, mais en fait il est plus déséquilibré qu'il est knockdown. Mais, euh, mais en tout cas c'est un combattant qui qui petit à petit en tout cas euh, arrive quand même dans sa folie à la canaliser pour performer. Tu vois, euh, je, par rapport à ses débuts où vraiment il était dans l'objectif de faire 100% de spectacle, là tu sens qu'il cadre un peu mieux ses combats, qu'il est plus réfléchi, qu'il a un peu plus d'expérience au niveau de l'UFC, je veux dire. Mm -hmm. Donc potentiellement, euh, alors est-ce qu'il sera champion Non, je ne pense pas. Non, je pense mais pas. Euh, mais par, contre, euh, par contre, je pense qu'il restera un moment, en tout cas dans les classements. Je ne sais pas, il est classé combien là déjà Et Là, ils viennent de le classer 13e, je crois, ou 14e, je viens de le voir. 14e, il, y a il est classé 13e. Et bah devant, ouais. il y a Ah Ça, par contre, c'est honteux. Enfin... Euh, ouais, mais Boraglio qui prend un adversaire bien mieux classé. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais per Pereira C'est pas sur la performance qu'on juge, c'est sur les mecs que tu bats. Ouais. <laughs> non, non, je sais bien, je sais bien. Mais ouais, mais il a battu qui avant euh, Boraglio Attends. Aucune idée. Attends, attends. Je, je cherche Boralio, tu cherches, euh, cherches euh, Pereira per Ah, oui. C'est Michel, hein. C'est Michel. C'est Michou. Alors, Michel Buharliou. Buharliou. Alors, Pereira, ses derniers adversaires. 16. Il a à 16-1. Hein. Ah oui. Euh, Paul Craig, pas. mais pour ça, il y a Abou, Soupidian Magomedov, euh, Michel. Il personne de, de classé. c'est ça. C'est ça. Mais il a plus de combats à l'UFC. Pereira Il a beaucoup de combats quand même, Pereira, à l'UFC. Hein. Il en a combien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Et et Boralieu, en a 6 Et il part, si tu comptes pas les deux les deux comment on compte en series. Tu vois. Donc euh, donc voilà quoi. Tu vois, c'est pour ouais. ça quand je te dis c'est honteux, c'est parce que quand même avec bons bio Ouais. Ah mais c'était la cata du tout ah, il est nouveau dans cette cathée, Pereira. Ah, c'est pour ça alors. Il est monté, il est monté des welter, c'est ça. Ouais. Euh, c'est ça. Pas... Et, et Potiera justement descend des light TV Ok, ok. Ouais, donc il faut qu'il fasse son, son chemin dans la caté. <laughs> Pardon. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas en tout cas voilà, c'est une caté qui lui convient bien. Je, je pense. On va voir on va voir ce que ça donnera, mais euh, tu vois peut, enfin. Moi, je le vois bien. Il y, y a qui dans le top 10, top 5 dans, de la caté, là ah, top, top 10, 10 Top 10, le dixième, je crois, c'est Shimaev. <laughs> ouais. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais bah, ah. va savoir. Ouais, le dixième, c'est Shimaev. Après, tu as Hermanson, Nasruddin, Costa, Brendan Allen. Ouais C'est une caté qui, qui est bien pleine. Hein. Est euh, ouais, est... Non, je, je le vois rester, franchement... Franchement, y a, devant lui, il y a Boraglio et Dolizé. Il ouais. y a un match. Tu vois, il, ouais. peut, il peut potentiellement les prendre. Et après, je ne le vois pas rentrer dans le top 10. Peut-être un Hermanson qui est en fin de, plus en fin qu'en qu début. Mais ouais, après, c'est compliqué. Bah, Mais il, fera des, il sera toujours bien vu, hein, parce qu'il fait, il fait, il fait le show. Bah, eh, il était sur l'UFC 300, c'est un indicateur. Il était sur l'UFC 300 Il n'était pas sur l'UFC 300 je dis une connerie Ah non, bah attends, ouais. c'est pas le 300. Attends, c'est pas le 300. Merde. Oui, je dis une connerie. Bah attends, oui. t attends, 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 Merde. Euh... Il était sur Attends, il était sur quel gros UFC, là Il n'y a pas longtemps. Non, je dis une connerie, mais il était sur un gros UFC. Bah attends, je te dis ça tout de suite. Il était ah sur oui. le 299. Ah, 299. Oui, c'est ça. Ouais. Je savais ouais. que c'était il n'y a pas longtemps. Il était en carte, euh, en carte principale, si ouais. je D'ailleurs, il avait gagné en une minute. Pareil. Ça. Donc, euh, c'est pour ça, tu vois. donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ces trois derniers combats, c'est une minute. Ah, ouais, c'est pour ça. Tu sais, on dit il y a pas match, il y a pas match, mais on ne sait jamais avec un combattant comme ça. Tu sais, Alors, attention, euh, bien sûr. Tu fais la foule. Si tu voilà, fais, tu fais l'analyse. Ouais, mais imagine un... euh, lui contre euh, contre F, Tu vois. Bon, il meurt. Non, mais il meurt. Mais le côté imprévisible du mec, tu sais. Faire que, on sait jamais, tu sais. Moi, je me méfie toujours des combattants un peu imprévisibles comme ça. <coughs> Pardon, excusez-moi, parce que j'ai un <coughs> petit problème de voix. Donc, euh, des combattants imprévisibles comme ça, on sait jamais. Bien sûr que je vois Shimaev tous les jours, mais bon, ça reste euh, pareil dans le rapport de force, là, dans la caté. Euh, je sais pas, faut voir. Faut voir, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Je, je le vois pas monter très haut, mais par contre, euh, ça va être des combats intéressants. En tout cas, c'est un combattant que j'ai envie de voir. Tu vois, quand il est sur une carte, j'ai envie de voir ses combats. Ouais, ouais je suis d'accord. Donc voilà, on continue avec euh, Vitor, parce qu'il n'y a pas de C en portugais, Petrino euh, versus Anthony Smith. Donc un Vitor Petrino qui était à 11-0 et qui n'était pas classé, contre un Anthony Smith qui était classé 10. Euh, donc, euh, donc clairement, l'UFC a prévu l'entrée dans le top 10 pour lui. C'est ça exactement de Petrino. Et, euh, et c'était, ça aurait pu se faire. Hein. Euh, très simplement, euh, Petrino, il a fait complètement le con. Euh, Petrino, il était dominant, il impose sa présence dans la cage, euh, il frappe plus fort. Il est énorme. Il ouais. faut parler de son physique, hein. c'est un bœuf. C'est un bœuf. Non, vraiment, c'est un bœuf. Il cogne dur, euh, que ce soit en anglais, que ce soit en pied-point, hein, tout ce que tu veux. Il est fort, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais en tout cas, voilà, tu sens qu'il y a un Anthony Smith qui, lui... Euh, a peur des frappes. Enfin, tu vois, on l'a dit, on l'a redit. Euh, Anthony Smith, il est euh, aujourd'hui, il a plus rien à faire dans une cage. Enfin, quand je dis, il a plus rien à faire dans une cage. C'est-à-dire que lui-même, ce sans que il a plus envie d'être dans la cage. En tout cas, si moi, je le verrais faire des trucs en grappling, tu vois, plus plus que de faire des trucs en MMA aujourd'hui. Et là, maintenant, en fait, non, attends, est... je... vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y. Non, frappe. non, vas-y, vas-y, parce que sinon, euh, je vais, en, vais enchaîner sur la. En fin. fait, quand je regarde le combat. Et euh, au-delà de parce que tu sens, je, je sens la crainte et je sens le danger se rapprocher. Tu vois Petrino qui se ouais. rapproche de plus en plus. Mais quand tu regardes statistiquement, c'est pas dégueu ce qu'il fait Smith. Il travaille bien au low kick, il touche bien au jab. Finalement, il prend pas tant de frappes que ça jusqu'au moment où il se fait éteindre. Ouais. Ouais, mais là, là, là C'est vraiment la, fois... sensation, euh, la sensation, la euh, sensation Volka euh, Topuria pour revenir sur ce combat parce qu'il est très ouais. parlant. T'as Volka qui score. En vrai, il prend le premier rang de Volca, si tu regardes oui. le nombre de frappes. Bon, on l'avait dit. Et tu sens que le danger vient du côté de Topuria qui se rapproche de plus en plus. J'ai le même ressenti sur ce combat. Ouais, sur ce combat-là, mais euh, tu prends Anthony Smith sur ses derniers combats. Euh, ah, non, vois, non oui, oui, non, clairement. D'accord. Il, a... Petrino, euh, Petrino, il a fait ça. Petrino, vraiment, il a voulu faire le mec en domination. Il était dominant, mais il a voulu le surjouer. Et c'est un vrai problème parce que parce que, d'une part, il n'a pas été peut-être aussi euh, incisif qu'il aurait pu l'être, tu vois. Et surtout, il envoie ce, ce double leg claqué à la cage où bah, il se laisse prendre la tête. Et bah, Anthony Smith, par contre, on l'a dit, il est quand même bon au sol. Donc, quand il a pris la guillotine, bah, il l'a finalisé. Et il se fait, euh, donc, euh, il se fait, il se fait euh, pas endormir, mais en tout cas, il se, fait, euh, il se fait soumettre assez facilement avec cette guillotine. Il n'a donné aucune réponse, en plus, euh, pour essayer de sortir. Il, dit Après, il a suivi. Et je pense qu'elle était aussi verrouillée. En fait, je ah, pense Elle était très bien pas. verrouillée, mais même dans l'attitude. En Au fait, début, mec, non, moi, c'est l'attitude que je n'ai pas compris. Déjà, il arrive, tu sens qu'il est ultra confiant, mais trop confiant même. Ça frôle ouais. l'irrespect. Je, oui. je le sens comme ça. Ça frôle l'irrespect de ces... Euh, voilà, je vais, je vais ouais. rouler sur toi tranquillement. Il se fait soumettre, il rigole. Il est mort de rire. Le, ça le mec s'en fout. Je n'ai ouais. pas compris. Tu vois, il ne croyait pas. Comme s'il si se disait c'est impossible que ça arrive. Ouais. Mais c'est des, des mecs qui ont aller. une expérience de malade. Tu, tu peux pas lui manquer de respect, même si à l'heure actuelle tu es bien plus fort que lui. La moindre erreur de ta part, tu vas la payer. Le mec a 50 combats, c'est ça. Par contre, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, c'est un mec qu'il faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a pu envie d'être dans cette cage, en tout cas, ressenti ta tami connexion, hein, parce que c'est vraiment un truc qu'on dit depuis longtemps quand on sent les combats. Ouais, voilà. En tout cas, tu sens que voilà, il a, il, il a du mal. Il a du mal à, dès que, dès que, le, dès que en fait, dès, que, dès que c'est trop dur l'opposition face à lui, tu sens qu'il craque complètement et que, que c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu vois qu'il va tourner, il va tourner, les, il va tourner la, le dos, il va tourner la tête et c'est fini. Là, clairement, ça aurait pu être un combat comme ça, mais Petrino, il a montré voilà son inexpérience par rapport à, à Anthony Smith. Vraiment, trop. Ouais, il était à Rio, tu vois. Je pense que le mec, il a été pris par l'événement. Il s'est dit, je vais faire ça, je vais faire mon spectacle. C'est la soirée de folie. En plus, avant lui, il y avait deux combats, euh, justement, qui se sont passés, euh, mm. euh, tu sais, un peu, un peu rapidement. Il s'est dit, voilà, moi aussi, je vais claquer mon KO. Je vais l'amener au sol, je vais le punir au sol. Sauf qu'il a pris zéro précaution. Il a envoyé son, son takedown sans précaution et derrière, bah, il s'est fait soumettre. Il s'est fait soumettre. Bravo Anthony Smith, parce que effectivement, tu as fermé la porte du top 10 à Petrino, et puis euh, ça, ça lui servira de leçon pour la suite. Là, il lui a donné une leçon une le C'est ça, là il, là, il vient de prendre de l'expérience. En un combat, finalement, il a pris beaucoup d'expérience sur cette défaite. Si on gagne ou on apprend, bah, lui, il a beaucoup appris, je pense. Enfin, ouais. j'espère pour lui qu'il a beaucoup appris, parce que je pense que le fait qu'il ait rigolé à la fin et tout ça, tu sais, c'était plus histoire de, de, de cacher ce, ce, tu vois, ce, le fait qu'il soit, qu soit déçu. Tu vois, ah, ça Ouais. Mais euh, parce qu'il est quand même devant son public, ah bon, ah, super. Mais je pense que quand il est rentré, après qu'il a, tu sais, que, que, que l'euphorie du moment est redescendue, je pense qu'il s'en veut énormément. En tout cas, j'espère pour lui qu'il s'en veut énormément. Parce que s'il s'en veut pas, il n'apprendra pas. S'il apprend pas, il fera la même connerie. Donc ça, c'est le problème. Ouais. Donc euh, s'il dit, ouais, bon, allez, ça peut arriver. Tu vois, j'ai plongé. Bon, effectivement, je me suis fait prendre. Non, tu t'es fait prendre parce que as, tu as laissé le combat. Le combattant adverse te prend. En fait, c'est vraiment ça. Donc, euh, c'est donc pour ça. Il faut vraiment qu'il apprenne là-dessus. En tout cas, moi, je suis son coach. Euh, tout de suite, je lui dis écoute, calme-toi, bichon. On va retravailler ça, mais on ne va travailler pas la technique. Ce n'est pas ce qui te faisait défaut. Ce n'est pas la technique. On va travailler sur l'approche du combat. Sur. Tu es concentré de la première à la dernière seconde. Tu respectes ton adversaire. Dis-toi même qu'il est plus fort que toi, mais que tu dois le battre. Tu vois, C'est vraiment ça. Il faut, faut vraiment qu'il se, qu se mette dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Parce que s'il reste comme ça en mode. « Tranquille, je suis en vol, je suis puissant, je suis fort, je suis en 11-0. » Ben voilà, t'as perdu. Ouais. Après, c'est pas grave, il hein. n'y a pas mort d'homme, hein. il reviendra. Non, non, c'est pas grave. C'est même plus dommageable pour Anthony Smith, c'est ce qu'on disait en off, que pour lui. D'accord. Je suis d'accord, parce que ça va le laisser euh, dans le top 10. Il va continuer de prendre des mecs forts. Et ce qu'il en a vraiment envie, alors c'est bien d'un point de vue financier hein d'un oui. point de vue de financier là il a voilà il a doublé sa prime il, il finit sa carrière en prenant en prenant un, un petit billet mais en termes de santé est-ce que ça vaut le coup je sais pas je sais pas parce que je, en fait je me dis que chaque défaite le rapproche de, de sa retraite et j'ai envie de le voir prendre sa retraite en tout cas en MMA tu l'as dit tout à l'heure en grappe il peut faire des choses etc mais en là, MMA c'est compliqué Pereira contre lui tu sais euh, Pereira l'aurait euh, l'aurait euh, appelé oui, père, pas de, de, de Il l'a accepté d'ailleurs et il a accepté ça ah ouais ok pourquoi pas, tu vois? En plus, ça donnerait des réponses sur Pereira. Anthony Smith, c'est pas... un bon call-out hein, parce que c'est un bon grappleur qui est légitime, mais ce n'est pas non plus euh, le, le meilleur. Ouais. Mais en tout cas, il s'est débrouille en grappling. Alors, quand il avait fait son combat contre, euh, contre Teixeira, bon, bah là, c'était euh, un autre niveau. Tu sais, à l'UFC Fight Pass Invitational, c'était un, un autre niveau. Donc, il euh, n'y donc a, y a, a pas de débat, tu vois? Mais là, contre un, contre un Pereira, pourquoi pas, tu vois? Et je ne sais pas si ça t'a fait la même chose, moi je l'ai trouvé, alors il n'a jamais été très affûté, euh, Anthony Smith, tu vois, c'est pas le genre de mec qui va être taillé dans le marbre, mais euh, je l'ai trouvé encore moins affûté que d'habitude. Tu sais, euh, vraiment, euh... ouais, j'ai pris le combat comme ça, quoi. Non, ça m'a pas... pas Ça t'a pas trouvé. marqué non. Moi je ne sais pas, je le, trouvais, euh, je le trouvais avec une shape pas, pas ouf, tu vois. Bah, écoute, ça m'a pas marqué. D'accord. Bon, bah écoute, c'était peut-être que moi alors. Peut-être j'ai un écran plus grand, ça l'a élargi, je ne sais pas. <laughs> en tout cas, euh, l'UFC voulait. Euh, quand je disais que l'UFC voulait faire monter euh, Petrino au détriment de Smith, euh, bah, on l'a vu tout de suite quand Buffer en fait, a, <laughs> a annoncé ouais, Petrino vainqueur. Euh... Le pauvre. Tu sens le manque de respect complet. quoi. Euh... Un style, undefeated. <laughs> oh, sorry. <laughs> Non mais c'est fou, c'est fou. Buffer, grand professionnel, euh, tu sais, bon bah voilà, on le sait, hein, ça, il a toujours fait partie des, des, des murs de l'UFC, le mec ne fait jamais une erreur, et là, là tu vois, il était tellement convaincu, parce que c'est ça en vrai, hein, tellement convaincu que Petrino allait remporter ce combat assez facilement, qu'il qu a même pas fait le switch, quoi. Tu vois, pour lui c'est Petrino qui a mis une guillotine à Smith, quoi, c'est ouf. C'est ouf. Mais bon, en tout il cas, voilà. bien, bah. Smith, il est mort de... Rien. Ah, il est mort de rire, ouais, mais, mais bon, tu rigoles, ça peut être un rire jaune aussi. Hein. C'est genre, putain, les bâtards, ils me respectent vraiment pas. Oh, tu t'en fous, t'as gagné. <laughs> tu t'en fous, t'as gagné, t'as ton argent. Mais quand même, quand même. Tu vois, ça veut dire, tu sais, dans les négociations, ça veut dire dans la gestion de tes contrats, ça veut dire dans tous ces trucs-là, tu sais très bien que t'as rien à attendre de l'UFC, tu vois. Ouais. Ah, »« ouais. ouais. En tout cas, il y avait, euh, je crois que c'était pour lui, une statistique qui disait qu'il ne perdait pas plus de deux fois d'affilée. Tu vois et eh ben... J'avais ah entendu ça de Mandal, je crois. Et okay. j'avais même euh, en live, j'avais mis un message, euh, bon bah, il va faire mentir sa statistique. Parce que je moi non plus, je ne le voyais pas gagner hein, ce combat-là, hein, clairement. Et puis euh, bah, bah, finalement, bah si, il a fait il a, il a donné raison à cette statistique. Comme quoi Comme quoi les stats. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Allez, on passe au Command Event de cette UFC euh, 301 avec José Aldo contre Jonathan Martinez. Donc euh, là aussi, hein, euh, un José Aldo qui était clairement euh, underdog justement sur, sur ce combat. Euh, on voyait une passation, euh, je l'ai déjà dit, de low kicker euh, entre Martinez et José Aldo. José Aldo qui avait pris sa retraite, qui était devenu Hall of Fame, qui avait fait quelques combats en anglaise. Euh, qui, euh, qui donc, le, nos, comme ça de base, hein, on pensait pas le revoir. En tout cas, à l'UFC, il revient. Il lui restait un combat au contrat. On en a parlé. Euh, on en a parlé. C'était à l'actu ou je sais plus quand, Bref, euh, comme quoi, il voulait, euh, il voulait pas renégocier son contrat avant d'avoir fait ce combat-là. Ouais, en actu avant d'avoir fait ce combat-là pour justement pouvoir euh, voir ce si, voir où il en était. Parce qu'il veut toujours être dans la course au titre. De toute façon, il a, il a toujours pour objectif de prendre le titre. Bah, Donc, son retour, euh, le prouve, hein, puisqu'il prend tout de suite un euh, top 10, puisqu'il était classé, euh, Martinez. Je ne sais pas. Je sais pas. Est, pas il est classé, Martinez. Ouais. Euh, oui, mais il était est, est classé combien est, Il n'était pas 12 plutôt je, je sais pas. Ça. Je te dis ça. Jonathan Martinez, il était douzième, ouais. Donc, euh, Parce que ouais. là il vient de perdre deux places, du coup. Donc il était douzième, ouais, c'est bien ça. Ouais. Et Aldo est rentré à la huitième place. Non. Donc, Et Jonas Aldo va, est rentré ça, va à la ça va très vite. Bon, en même temps, avec la, la, la masterclass qu'il a fait, c'est justifié ouais. pour le. Tu sais, encore une fois, euh, c'est un ancien champion, un des champions les plus dominants. On parle de lui dans la, euh, comme goutte des Feather. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a un moment, euh, de toute façon, euh, euh, tu ne peux, euh, peux pas le mettre 15e. Tu vois il, il est là, il a gagné, tu, tu dois lui donner euh, la valeur qu'il a. C'est comme pour, euh, pour Max Holloway euh, chez les Lightweight. C'est comme euh, Kayla Harrison euh, dans la KT euh, dans laquelle elle est. <laughs> <laughs> non, c'est chez les bonnes dames. Euh, donc, euh, donc, voilà. En tout cas, Aldo, qui rentre sur un euh, début d'entrée de, de, sur euh, We Are The Champions avec sa couronne. Donc, euh, voilà, il, il, il impose des bases. Hein. Le king de Rio est là. Il est là pour, euh, pour justement faire le spectacle devant son public. Donc, euh, et il l'a fait dès le début, en fait. Martinez, on, on fait du round par round pour celui-là. On commence à les rounds par round. -out. Donc, round 1, Martinez en gaucher. Martinez qui utilise beaucoup le low kick intérieur et extérieur, on le sait, c'est un low kicker, il a déjà stoppé des combats sur les low kicks. Euh, mais là, pour le coup, il parvient pas trop à varier sa boxe. Car Aldo, il est bien meilleur en anglaise. Euh, il a des enchaînements corps tête-tête-corps qui sont magnifiques. Oh, il, bon. est, il est plus varié, il est plus rapide, il est plus puissant. Euh, par exemple, avec son, son jab cross à la tête, avec le crochet au corps euh, qui, est, qui est magnifique, même ses doubles crochets au corps qui met là. Pff, oh là là! Son, jab, euh, son, son crochet. Son euh... droit. Tout, tout en fait, tout. Ouais. Il travaille sur des enchaînements en plus. C'est rare qu'il travaille sur un coup isolé. C'est au ouais. minimum deux coups. Soit c'est tête-corps, soit c'est corps-corps, soit c'est tête-tête. Mais ouais. très difficile à lire. Il Et a son... une explosivité de malade. C'est ça. Franchement, c'est flippant à son âge. Parce que normalement, c'est ce, qui... ce que tu perds en premier quand tu vieillis. Et lui, il est toujours aussi explosif. C'est peut-être même plus qu'avant, j'ai l'impression. Le mec, parce qu'il a changé de caté, du coup, parce qu'avant, il était dans la caté du dessus. Ça. Son dernier run, il l'a fait dans cette caté, mais, euh... mais là, c'est fou, la vitesse qu'il a. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Même son, son, tu sais, son cross au corps avec le crochet qui remonte à la tête, euh, du bras avant. Enfin, tu vois, vraiment, les enchaînements, ils sont, ils sont fabuleux. Mais euh... alors, en fait, le truc, c'est que tu sens qu'il a fait évoluer son style. Tu vois, avant, il était vraiment, euh, il kickait énormément, tu vois, il mettait des low kicks énormes. Euh, on sait qu'il a eu son accident de moto, je crois, si, si je ne me trompe ah, pas, qu'il n'est qu plus kické. On l'a visiblement, quand même, il se remet à kicker, hein, parce qu'il en envoie moins. En fait, ah, le ouais. truc, tu sais, c'est comme pour toute blessure où tu viens, en fait, changer ton style. Aldo, il est bon, il a réussi à trouver un style différent, avec plus d'anglaise. Là, il a fait son passage en anglaise, tu sens que ça a été encore plus bénéfique. Tu le vois aussi dans ses déplacements, il y a des moments où il coupait l'angle et tout, c'était fabuleux. Donc, il est, il est bon en anglaise et il se remet à cliquer, mais il se remet à cliquer moins souvent, mais toujours avec autant de puissance. Ouais. Et tu sentais que dans le rapport de force, quand il y avait une frappe de Martinez et une frappe de Aldo, tu sentais que Aldo, il était beaucoup plus destructeur en fait. Hein. Ouais, tu vois, ouais, ouais. Dans les low kicks, il était plus destructeur que Martinez. Donc enfin, Déjà, Martinez déjà fait... lui, il bloquait tous les low kicks. Il ouais. faut notifier que c'est sûrement le meilleur défenseur de low kick de tout l'UFC. Il bloque tout. Ouais. C'est impressionnant. Et j'ai écouté, euh, c'était Fight Minds, c'était Bri Brian qui parlait de ça. Et c'est vrai qu'en revoyant le combat, je sais, j'avais pas vu ce détail, mais c'est le placement de son pied avant. Le placement de son pied avant, tu vois, on, on, on dit que quand tu es gaucher contre droitier, tu dois mettre ton pied à l'extérieur pour aligner ton, ton bras arrière avec sa tête. Et bien lui il laissait son pied à l'intérieur et l'orientait légèrement vers l'intérieur pour bloquer les low kicks arrière. ce qui fait qu'il bloquait tous les low kicks arrière. Mmh. Les seuls qu'il prenait, c'était les low kicks extérieurs, mais comme c'est jambes avant, c'est pas trop préjudiciable. Donc en fait, il a bloqué tous les low kicks arrière, donc les plus puissants de Martinez. Je crois qu'il en check 3 ou quatre dans le premier round, et Martinez n'en envoie plus du tout. Il mmh. envoie que des middle. Et à partir de là, c'est là qu'il gagne le combat, parce que c'est sa plus grosse force. En fait, il l'a forcé à faire un combat d'anglaise là où les meilleurs. Ouais. Et très vite, à partir du deuxième, troisième, ça se transforme en combat d'anglaise quasiment. Oui, sauf qu'il n'a pas, pas les armes. pour. Il n'a pas il les a... armes. Ça. Donc, en fait, en fait tout fait... le détail du pied, et il le fait sur tout le combat, comme quoi il est vraiment discipliné, il ne prend pas la confiance sur le deuxième ou le troisième à changer la position de son pied. Il reste avec l'orteil orienté, et c'est très visible quand tu le regardes. Il oriente volontairement son pied à l'intérieur pour que quand il va le kicker à l'intérieur, kick dès qu'il va lever un peu le genou, il va taper dans son genou. Et ça, on le sait, hein. tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu n'en vois plus de low après. Hein. tu ne veux pas que ça pète, hein. déjà ah, parce oui. que tu t'es appuyé et puis tu ne veux pas que ça pète. En plus, il y a eu trop de et <laughs> ça, en fait, que... de gens de pété qui reviennent dans ton esprit à ce moment-là. Tu vois. tu vois, quand j'écoutais euh, justement RMC, il disait que euh, c'était Antoine Simon qui disait qu'il sentait euh, Martinez pris par euh, l'émotion d'affronter son idole. Et c'est pour ça qu'il était bloqué. Il n'était pas bloqué euh, par rapport à ça. Il était blo... Pour moi, il est bloqué par rapport au fait qu'il n'a pas de solution. Il n'a en fait aucune solution. Je suis d'accord avec toi. Après, il y en a beaucoup qui l'ont dit, que ça soit parce que moi, je l'ai écouté avec les commentateurs américains, je crois que c'est Daniel Cormier aussi qui le dit, mais parce que son camp aussi, entre les deux premiers rangs, tu vois, le dit. Il dit, le respecte pas, tu vois. Donc, je pense qu'il devait y avoir de ça, mais il y avait aussi du fait qu'il n'y avait pas de solution. Parce qu'effectivement, il met son middle, parce que Jean Barrière, euh, parce qu'il y a une réadaptation, tu vois, maintenant c'est très bien géré, très bien bloqué par Aldo. Euh, dès le premier round, en fait, tu sens que tout se passe dès le premier round. Moi, ce que j'ai ouais. aimé aussi en fin de premier round, c'est son triple front. Tu sais, euh, très équilibré, tu vois, où même c'est même lui qui fait reculer, euh, qui fait reculer euh, tu sais, euh, Martinez. Tu sans poser le pied, il envoie trois fois le front. Euh, et en ouais, juste, il oui. pousse. Est, euh, pff, il est très stable. De toute façon, il est très stable. On le voit parce que tu parlais que c'est un des meilleurs euh, bloqueurs de low kick, mais c'est aussi une des plus grandes techniques de défense de, de l'UFC, José Aldo. Ouais. De oh ouais, bah, toute façon, son dernier combat euh, euh, avant sa retraite, c'était contre valis Et il a oui. défendu tous les takedowns. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. À partir du moment où tu arrives à défendre tous les takedowns contre lui, c'est que euh, tu un monstre. Il a eu plus de réussite que, euh, que ses ouais. donc euh, Le rang 1, on peut le donner clairement à Aldo. Il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, euh... Ensuite, on entame le round 2, donc avec un Martinez qui met plus de rythme. Euh, justement, je pense qu'on lui a dit le respecte pas, tu vois. Euh, ça lui a, à... c'est rentré dans sa tête et il a dit bon, je vais pas le respecter, je vais accélérer. Mais Aldo le sanctionne durement en anglaise au corps et avec un genou aussi qui monte très bien. Tu sais parce que les là, genoux là, sont sortir ses genoux. C'est à partir du round 2. Franchement, c'est quand ça monte, tu sens qu'il faut pas le prendre. Hein. C'est parfait. Ah. Franch... Quand tu regardes, je... je suis pas un expert en coup de genou, mais visuellement, quand tu le vois. Il le met de plusieurs manières. Soit il le pique, soit il cherche un angle, il part un peu en diagonale. Enfin, tu sens que techniquement, tu sens l'expérience, tu sens que tout est parfait. Bah, tu sais, la dernière fois, on parlait d'un de, de, nom pour la boxe taille Tu sais, dans le, ouais. tu, bah, pff, dans le MMA, José Aldo, hein. vrai. Un, sa boxe taille Mais encore une fois, tu vois, alors lui, pas, il a un très bon sol, mais ce qu'il ce qu impose, c'est sa, sa défense de, de take-down. Tu vois bref, euh, ça c'était pour la parenthèse donc Martinez qui vient lutter et coller euh, Aldo à la cage parce qu'il euh, cherche des solutions en fait tout simplement hein. mais euh, Aldo encore une fois hein, on l'a dit, excellente technique dans la défense donc euh, overhook plus contrôle du biceps euh, jusqu'à ce que l'arbitre en fait vienne casser, euh, vienne casser le, le, le contrôle Aldo reprend le travail c'est là où c'est compliqué pour Aldo pour moi c'est là où c'est compliqué ça veut dire que où, il, il, va, il va pas se faire amener il prend pas de dégâts mais je que pas. sortir, c'est compliqué. Et Martinez, ce n'est pas le meilleur dans ce domaine. Ouais. Sortir, c'est compliqué et il est obligé d'attendre que l'arbitre. Euh... Alors, est-ce qu'il est en qu économie d'énergie C'est une possibilité aussi, tu vois, parce que, euh... parce que finalement, il ne prend pas de dégâts. Tu sais que tu as gagné le premier, tu sais que tu es en train de dominer le deuxième. Tu viens, on te colle à la cage, tu, tu contrôles un petit peu. Tu sais que dès que la rupture de contrôle, elle va se faire, c'est toi qui va être dominant en boxe. Bon, c'est possible voilà. aussi. Honnêtement, là, là, pour le coup, je ne voyais pas une, une, non plus une recherche de sortie. Hein. Ouais, tu ouais, vois, ben oui, vraiment, euh, il, il y avait rien. De toute façon, il ne pouvait, pouvait pas bouger. Contrôle parfait, overhook, euh, overhook plus contrôle biceps. Contrôle du du bicep, du coude. Tu vois, c'est parfait. C'est parfait. Donc, Aldo, il reprend le travail avec euh, ses deux crochets, euh, justement, et le genou qui, euh, qui, qui, euh, qui vont toucher Martinez, euh, tu vois euh, mais Martinez il touche, sur un, il touche sur un crochet du gauche, euh, justement, et en représailles, tu vois Aldo qui, qui lance euh, son crochet du droit qui va sonner Martinez et il suit. Alors après, c'est avec un high kick euh, justement pour, euh, pour le calmer euh, définitivement, tu vois, c'est vraiment ça. En fait, tu sens que dès que Martinez il le touche, il va et se faire calmer. Par voilà, c'est ça. Il n'y a jamais un coup gratuit, tu vois. Donc euh, c'est là où il reprend la marche en avant avec, euh, avec des, des gros crochets justement du gauche, puis. Euh, avec euh, avec un énorme low kick intérieur cuisse. Enfin tu sens que dans les, même dans les low kick tu sens qu'il est dominant, tu vois, à chaque fois tu as Martinez qui qui flanche euh, sur les low kick euh, et c'est là où euh, dans ce round où tu vois Martinez qui commence à sortir les coups de poing retournés et ça, on le dit très souvent, moment de panique, Une solution tu sais plus quoi faire. Voilà, faire Ah là, tu un coup qui euh, peut-être inchallah ça va toucher, tu vois, c'est vraiment ça. Tu en as certains, c'est leur spécialité, tu vois, qui, ils ont ce coup de poing retourné, bon, OK. Mais là, tu sens vraiment que c'est l'aveu de de faiblesse. Tu vois, vraiment, bon, j'ai pas d'autre solution, ouais. je tente autre chose. Quoi. Surtout quand tu le en, en panique, en fait. Ouais. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Mais c'est très bien lu. Même ça, c'est très bien lu par Aldo. Ouais. Il passe en dessous, il, non, je dis, il est ce Non, il est trop vif. Il est il a, trop vif. Il a, il a des retraits de buste, il, il a tout. Il a un coup d'œil de malade. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit il a une garde tellement hermétique. Les points sont très hauts. Tu vois, il est franchement, il, il défend il... tout. Il défend. il défend tout, même les frappes au corps, hein. même ouais. l'anglaise au corps. C'est-à-dire que, tu sais, il joue avec ses points où il monte, il descend, il monte, il descend. Mais quand il prend un enchaînement tête-corps, il bloque la tête, il redescend, il bloque le corps. Ça va trop vite. C'est impressionnant. Ouais. Non, je suis d'accord. Et même dans la fatigue, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que tu sens quand même qu'il fatigue. Sur la fin du deuxième round, je le sens fatigué. Tu, tu sens qu'il fatigue, mais dans, dans ses défenses et dans l'explosivité qu'il a défensivement, il reste, il reste présent. Ouais. C'est juste qu'il va baisser de rythme, lui, mais défensivement, il reste aussi explosif. Ah, je suis d'accord. En tout cas, un round 2 qu'on peut encore une fois donner clairement à Aldo. Et on entame le round 3 avec un Martinez qui accélère sachant qu'il perd le combat. Hein. De toute façon, le, son coin lui a dit, hein, dit hey, « T'as perdu les deux rounds, il n'y a, a pas de solution, il faut que tu faut que ailles aille l'éteindre. En fait. » C'est ça, hein, c'est… La bonne, la, bonne, la bonne indication, de toute façon. Et puis, je pense que lui aussi, il en a conscience. Mais Aldo, encore une fois, le sanctionne dans un bon timing. Euh, il cherche le takedown, mais c'est bien géré par Martinez. Euh, donc euh... Et là, tu as Martinez qui fait une, une, une énième adaptation. C'est ça que j'ai bien aimé, mais qui, est, pff, qui, qui ne servira à rien, mais il fait une adaptation. Il essaye de tirer avec son, sa main avant le bras de, euh, de, de, de Aldo pour aller chercher le crochet. En fait, de tirer le bras pour mettre le crochet avec son bras avant, donc son bras droit. Mais Aldo, il est tellement hermétique, il est tellement fort sur sa garde que le bras, il ne bouge pas. Par trois fois, il essaie de lui tirer la main. Trois fois, la main, elle ne bouge pas d'un centimètre. Donc, c'est toujours bien bloqué. Non, mais c'est frustrant, en fait. Tu te dis, j'essaye, euh, ça ne bouge pas, ça bouge pas, le crochet ne passe pas. Et quand il commence à attaquer, là c'est là où tu vois Aldo, c'est dans le troisième rang où il commence à couper l'angle. Et c'est là que tu ressens le travail d'anglaise qui se passe bien. C'est-à-dire qu'il ne reste plus en face, tu as Martinez qui met la pression, Hop, il sort toujours par le côté fermé, donc ouais. le, côté, euh, le côté droit, de, euh, donc la gauche de Aldo au côté droit pour Martinez, euh, justement pour éviter de prendre bah, un contre justement sur le côté ouvert. Il sort tranquillement. À chaque fois, il veut pas être dos à la cage, donc à chaque fois il s'évacue, mais vraiment en tournant les épaules, en restant toujours face à son adversaire, des mouvements typiques de l'anglaise. Franchement, il euh, y a du Lomachenko dans l'idée. Ouais. <laughs> donc du, euh, Canelo aussi. Ouais. Non, c'était propre, franchement. Non, mais tu sens qu'il baisse de rythme, quand même. Ouais, bah, c'est justement pour ça, en fait. Il, ouais, mais ce qui est bien, qu c'est que, que. en même temps, il baisse de rythme, mais il y a zéro risque, quoi. Ouais. C'est que... sur ah, ça, ouais. en fait, qu'on voit qu'on voit que le mec vieillit. C'est uniquement sur ça, c'est alors il n'a jamais eu un cardio de fou Aldo. Hein. Mmh. On l'a déjà dit, euh, on en avait parlé avant. Ça veut dire que troisième jusqu'au troisième round, il était à fond, quatrième, cinquième, il était en gestion. Il ouais. a toujours fait ça. Là, ça arrive un peu plus tôt. Donc en fait, c'est là où ça va être compliqué pour un Aldo. Si jamais il doit faire des cinq ça va être très compliqué. Bah, il faut il te... Ça va être compliqué, faut il faut qu'il finisse. En fait, il faut qu'il finisse ou alors qu'il qu il remporte qui les très premiers. clairement les trois premiers rounds. Voilà, et comme ça, il peut dérouler les deux derniers à l'expérience, tu vois. À ouais. l'expérience. Ouais. C'est compliqué quand même. Mais en tout cas, sur trois rounds, il nous montre qu'il euh, qu ouais. peut tenir trois rounds tranquillement. Après, il a, il a encore la foudre dans les poings. Enfin, tu sais, il avait aussi un striker d'élite face à lui, donc éteindre ce striker, c'était compliqué. Mais, euh, mais, mais bon, en tout cas, voilà, tu, tu vois, c'est son dernier enchaînement avant d'amener au sol, là. Oh là il là vient, c'est magnifique. Il fait uppercut bras arrière, crochet bras avant. Il touche Martinez qui est sonné. Il vient, il enchaîne avec un genou. Il recommence, de re crochet euh, avec re-genou. Et cette fois-ci, il double le genou. Donc, euh, donc euh, ensuite, il envoie son gauche droite. Le vraiment, gauche droite qui lui fait danser la salsa. Qui lui fait danser la salsa et après, il prend. Intelligemment le double leg parce qu'il sait qu'il prend un risque, justement, si jamais il n'arrive pas à l'éteindre sur cet enchaînement-là, ouais. bah, tu vois, il sent qu'il est fatigué. Donc, intelligemment l'expérience, hein. il envoie un magnifique double leg. Martinez qui recompose euh, la garde. Alors, Martinez, il a été dangereux hein, parce qu'il envoie des jolis coudes et euh, tu et as, as Aldo qui, qui frappe, mais avec beaucoup moins de volume, tu vois. Donc, euh, mais Aldo qui passe la demi-garde, après, il monte, à as Martinez qui recompose la garde. Il y a vraiment un duel de grand N-Pan à la fin. Euh, et le combat se termine là-dessus avec un gros respect euh, des deux. Enfin, vraiment, tu sens que voilà, il y a un énorme respect. Ça reste longtemps face à face. Il y a beaucoup d'émotions. Je pense qu'Aldo aussi, ben, il, Martínez, a eu... il pleure déjà. Ouais, ouais. ouais ben je pense que ce combat est représenté beaucoup pour lui. Hein. Ouais. Parce que t'accroches José Aldo sur ton tableau de chasse, c'est au Brésil en tout cas, c'est quelque chose. À partout, hein, je pense, hein, de toute façon. Ouais, ouais, mais devant son public et tout, c'est quelque chose. Ouais. Ben, il a montré qu'il était encore là. Hein. C'est vraiment une légende de ce sport oui, et resteras mais... toujours une légende de ce sport. Il n'y a pas de différence avec quand il est parti. C'est ça qui est fou. Il ouais. y avait beaucoup d'interrogations sur ça. Le fait qu'il ait fait de l'anglaise et justement qu'il affronte un mec qui envoie beaucoup de kicks. Est-ce qu'il va être aussi précis sur ses blocages, etc. Ouais, c'est en lui en fait. Le ouais. mec l'a trop fait. C'est ancré en lui. Ouais, et puis je pense que même s'il travaille son anglaise, je pense que c'est un mec qui est un amoureux du MMA et de toutes les disciplines du MMA. Parce que souviens-toi, il y a un moment où il avait fait une pause, il avait fait beaucoup de sur brésilien, il avait même recombattu en sur brésilien. Mmh. Donc c'est un mec qui doit s'entraîner quand même dans toutes les disciplines, tout le temps. Même s'il prépare un combat d'anglais, je pense qu'il s'entraîne toujours dans toutes les disciplines parce que déjà le pied-point, c'est son amour. Hein. Tu, tu le sens qu'il qu aime ça, il aime boxer en, en boxe pied-point. Donc je pense qu'il devait continuer à le faire. Le sol, pareil. Euh, il faut pas oublier qu'il est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, une vraie bonne ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. La lutte aussi, puisque ouais. la lutte, on sent qu'il est encore là défensivement, tout est tout est parfait. Ouais, et même offensivement, le timing est parfait. Enfin, tu vois, ouais. parce que même s'il amène pas sur sa première amenée, le timing, il était le timing parfait, est bon hein, pour l'entrée. Le timing est bon. Tu sens qu'il force pas spécialement, en plus, il veut pas non. cramer de cartouches. Justement, à l'expérience. C'est ça. Donc, et c'est ça qui fera, par contre, beaucoup la différence contre d'autres adversaires, c'est qu'il a une expérience de malade. Il est à Je presque regarde. 40 combats. Je regarde, il y a qui devant lui Du coup, il a fait le bon, il est huitième. Il y a des combats qui peuvent être intéressants. Tu vois, au-dessus de lui, c'est Song Yadong. Ouais. Après, tu as ouais. Figueredo. Ouais. C'est Rudo. Euh, Marlon Vera, Peterian, Sandagun, Merab et Omale. Ouais. Donc, ouais, dans, même dans le top 5, tu vois, contre un Marlon Vera, il y a match pour moi. Il y a match contre tout le monde en vrai. Il y a match contre tout le monde, parce que même s'il euh, si y a eu une défaite, par exemple, contre Petroyan, tu vois, il y a, y a encore match aujourd'hui. Il y a, y a eu ouais, des adaptations, il alors... y a eu du, du jeu qui a changé, il y a un Petroyan qui a changé aussi. Il y a un Petroyan euh... qui a changé. Ouais. Donc, euh, donc y a match, sur y a le ma... synchrone, ça reste compliqué. Sur tous les mecs que je t'ai dit là, qui sont habitués au synchrone, c'est compliqué. C'était déjà compliqué avant qu'ils partent. Ouais. Aldo, même quand tu regardes ses combats contre, contre Holloway combat contre, contre et tout à l'époque. Sur les deux premiers rangs, il est là. Il est là contre tout le monde. Oui, mais après, le rythme, il ne le suit plus. Et quand tu tombes sur des mecs aussi forts qui peuvent maintenir le rythme sur 50, c'est compliqué. En tout cas, là, il, a, il gagne donc décision unanime 30-27 fois 3. Euh, et lui, ce qu'il voudrait, c'est un accélérateur. En fait, il sait que sa carrière n'est pas longue. Il voudrait qu'on batte tout de suite contre Malé. Oui. Ça serait ce qu'il y a de mieux à faire. En vrai, de vrai, pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si l'UFC le respecte vraiment. Ils lui font ça. C'est-à-dire qu'il vient. D'accord. Il le combat. mérite. Hein. Alors, pour le coup, ah. il le mérite avec tous les manques de respect qu'il avait eu après sa défaite contre Connor, qu'il ait jamais eu de revanche, etc. Voilà. Ils peuvent lui donner ce combat contre au Malais. Et même au Malais, finalement, c'est euh, un bon combat pour lui. Hein. Ça va lui donner l'occasion de combattre une légende. Il n'y a pas énormément de légendes dans ces petites catés. Donc, là, pour le coup, il va prendre une vraie légende. Et c'est un combat. Euh, alors, il serait favori au Malais, mais c'est ah bah quand oui. même compétitif. Il y a quand, quand même, même des choses à, des, des choses à voir. Donc, euh, Après, est-ce que pas... l'UFC le ferait parce que s'il gagne la ceinture et il s'arrête? C'est ça, et tu détruis une légende, enfin une légende qu'ils essaient de construire. Hein, une ouais. star, pas une légende, une star qu'ils essaient de construire en la personne d'Omalais. Maintenant, euh, si tu crois vraiment en Malais, tu lui laisses faire ce combat parce qu'il a toutes les armes pour gagner contre Aldo. Clairement. Ouais, clairement. Et de toute façon, euh, te dire qu'ils prennent Mérab ou Aldo. Euh, C'est compliqué, Mérabe. Hein c'est compliqué Mirab et euh, peut-être vaut mieux perdre enfin pour l'UFC vaut mieux que Aldo gagne plutôt qu'un Merab champion ah bah oui oui clairement clairement donc bon à voir à voir on finit avec euh, le main event donc de cette UFC 301 avec Steve Erseg versus Alexandre Pantoja et je le redis, Pantoja, pas Pantoya, ni Pantora, parce <laughs> que je l'ai encore entendu. Pantoya, Pantoja. Tu as, as deux écoles. Tu non, as ceux qui veulent. L'école du milieu, l'école du creux. Non, mais tu as ceux qui veulent tout franciser, tu vois. Steve uh, Et puis, euh, tu as ceux qui veulent mettre de, tu vois, un peu d'exotisme de, dans, leur, dans leur langage, mais, mais faut, faut, il voilà, faut, faut avoir le bon exotisme. Non, en portugais, la iota et la jota n'existent pas. Pantoja, tout simplement. Euh, combats qui n'attirent pas forcément euh, les foules, hein, parce qu'on l'a vu. Notre indicateur, c'est euh, le nombre de vues qu'on fait sur un, sur un podcast, sur une analyse. On l'a dit, euh, c'est pas le meilleur score qu'on a fait de tous les temps euh, sur ce, cette analyse-là. On va dire que ceux qui ont l'habitude d'être de, de, vraiment fans de l'UFC, de, 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 de tout, qui vont poncer tous les combats et qui ont vu la qualité en fait de, cette, de ces deux combattants-là, auront regardé. Les autres, le grand public, ça les a pas attirés plus que ça forcé de constater que nous-mêmes, de base, ça nous avait pas forcément attiré. Parce que nous, on se met dans la case de. Ceux... Soyons tout à fait honnêtes. <laughs> on se met dans la case de ceux qui ne pensent pas à tous les combats aussi, tu vois. Enfin, euh, mais... Non, mais euh, mais c'est vrai que justement. Clair, ça pas, tu vois. Après analyse, ça nous avait donné de l'intérêt pour ce combat. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais parce qu'on ne connaissait pas Erseg aussi. On connaissait Pantoja, mais on ne connaissait pas Erseg Mais ouais. voilà, on nous l'a fait connaître et maintenant, euh, bah on n'est pas mécontent de l'avoir connu parce qu'il bah qu a fait quand même un énorme combat contre Pantoja. Euh, Il ouais. donc... faut rappeler quand même qu'il est dixième. C'est quand même extrêmement rare que le classé 10, là, à l'UFC, depuis, euh, ça faisait quoi 10 mois 11 mois ouais. affronte, euh, affronte le champion il y a ça et puis surtout en plus de ça il est euh, comment dire oui, bah, oui c'est ça c'est ce que j'allais dire non il, est, il vient d'arriver à l'ufc quoi ouais, à il a trois combats enfin, le step est, le step est énorme Oui, non non on est d'accord on est d'accord ouais. et... En tout cas, euh, un round 1 qui, euh, avait comme à son habitude, un Pantoja qui a été très agressif euh, tout de suite, avec euh, des low kick crochet euh, suivi d'un gros jab cross en, en poursuite, euh, tu sais, contre Airseg pour finir en tentative de takedown qui a été bien gérée euh, justement par euh, Airseg. Euh, donc, euh, donc, tout de suite, il, voilà, il, il met les bases. Il met les bases. Euh, C'est le rythme avant tout. C'est euh, du Pantoja. C'est du ta... Pantoja. Voilà. Euh, comme on a dit dans l'analyse, Erseg euh, est sûrement meilleur en anglais que, que Pantoja, mais euh, il, il, fait de, alors, il fait de beaux enchaînements, mais dès que Pantoja en fait, cogne durement dans l'enchaînement, tu sens que ça le déstructure, tu vois vraiment ça, ça, le, ça le gêne dans son, dans son enchaînement. Et ça, on le voit tout de suite. En fait, ce qui est marrant, c'est que tout ce qu'on avait analysé euh, pour l'un et pour l'autre des forces de l'un par rapport à l'autre, c'est ce exactement qui ce qui s'est passé, mais à différents moments dans le combat. Tu vois, ouais. Tant que, euh, tant que euh, Pantoja, donc là, grand, un rang 2, il était euh, il agressif est... et ah. qui faisait que avancer. RC qui trouve pas sa distance. Exactement. Et il n'arrive pas à imposer sa boxe Et il, est, euh, il se fait toucher. Il se fait plus toucher que, que Pantoja. Alors il touche lui aussi sur des contres. Mais euh, Pantoja, il a déjà, on l'a dit, il a un menton de fou. Donc il, il encaisse sans broncher euh, pendant tout le oui. combat. Ouais. Et tu sens qu'il est puissant lui aussi. Hein. Tu sens qu'il fait mal sur, sur ses entrées très explosives des crochets très puissants, et Herseg, il ne trouve, trouve pas sa distance, il n'arrive pas à imposer sa boxe. Même bon si techniquement, on a... le sent meilleur. Ah non, techniquement, elle est bien meilleure, même. Euh, donc, il va même chercher à lutter tout de suite, en fait, finalement. Tu vois, c'est ça, c'est comme il ne trouve pas la solution et qu'il y a beaucoup de rôles de rythme d'un du, point de vue de, de Pantoja, il va chercher à lutter mais là, on rentre dans le domaine de Pantoja, qui est lui aussi une tech dans de défense de malade et un sol de malade. Il va gérer ça très très bien euh, et il va contrer très facilement déjà la, la première tentative d'Erseg. Mais bon, ça donne déjà un, un démarrage de combat, tu vois, qui, qui, qui est plaisant. Tu vois, au moins, tu sens que les, les deux vont pas s'acharner dans dans, dans, sur un niveau, mais qu'on aura un combat de, de MMA complet. Euh, de gauche droite, euh, low kick de Pantoja pour, pour camoufler en fait la, 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 la troisième qui sera face. Enfin, en tout cas, c'est son attaque justement en lutte, qui va faire avec un ceinturage et un fauchage, mais un fauchage un peu. On l'a dit, hein, c'est une lutte qui est très instinctive. Tu vois là, pour le coup, c'est un espèce de balayage, fauchage dans le ceinturage. Enfin, c'est vraiment comme s'il avait mis un low kick limite dans le <laughs> dans, le, dans, dans, dans Pantoja qui arrive tout de suite dans la garde papillon de Herseg. Donc c'est euh, là où tu vois que Herseg, déjà, il est euh, il est bon au sol, il est très bon. Hein. Il est excellent. Voilà. Il, est il est excellent au sol. Au sol. Et, euh, et tu vois un Pantoja qui tout de suite essaie de faire ces fameux changements de direction, tu sais, euh, pour essayer de casser justement les crochets papillons de, 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 de Hersec donc et, qui essaye de, 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 les, de les faire pencher en fait d'un côté pour mieux réattaquer de l'autre en fait. Il essaye parce que la garde papillon pour le coup, il faut, quand tu es, fa es face à ton adversaire, c'est ce que est, tu fais deux barrages avec tes jambes. Donc quand tu viens basculer d'un côté les crochets, tu peux essayer de les contourner ou passer par-dessus de l'autre. Donc... Euh, c'est ce que fait très bien, il est très équilibré là-dessus, euh, Pantoja. Mais euh, il n'arrive pas. Il tente de passer, mais il parvient pas. Herseg parvient, il, il lui a, a chargé Pantoja, euh, justement pour reprendre de la distance et, euh, et donc euh, et revenir en lutte. Mais Pantoja le repousse, et là, c'est là où il lui met déjà le premier coup de genou au corps, euh, ouais. directement, alors que Herseg est au sol, euh, justement, pour replonger en lutte. C'est euh, quand il et se relève. Magnifique, et... d'ailleurs. Magnifique. Coup de genou, il est tout de suite. Ouais. Non, non, mais tu sens que tu sais non, on les, parle les, que... les transitions, de, de les, les transitions de Pantoja dans les différentes disciplines, passer de la boxe à la lutte, de la lutte au sol, etc. Elles sont magnifiques. Ouais. Non, non c'est, on est d'accord. Est, tout est, il est en conscience de tout, tu vois. Pas d'erreur, justement, tu vois, le coup de genou, il le met parce qu'il sait qu'il a la place pour le mettre. Euh, et puis tout de suite, en fait, il sait que tu vois, s'il avait re-shooté tout de suite sans, le, sans le, le, le coup de genou, en fait, Ersek se serait échappé, tu vois. Ouais, il cette intelligence, en fait, de, de venir et de mixer, de mixer. En fait, je, te de remets dans le, je te remets en mode boxe pour re juste après. Ouais. Non, c'est là où on voit la différence, tu sais, on parlait de, dans l'analyse du combat de Della de de Madalena contre euh, Burns. Tu vois, Burns, en fait, courait après Della Madalena pour le, pour, pour le lutter, tu vois. Les transitions. Parce que, Burns, parce que tu le... sens qu'il le, y a la boxe, il y a la lutte, il y a le sol. Finalement, il n'y a pas tant de combattants que ça qui ont des transitions de malades qui font vraiment du pur MMA. Et tu sens que Pantoja, il est bon dans tous les domaines et en plus, la liaison, elle est parfaite. On est d'accord. On est d'accord. Erseg, il parvient quand même à se relever. Euh, mais il n'est pas loin de se faire, euh, se faire prendre le dos. Mais il sort magnifiquement, hein, même s'il si, euh, s'est se fait contrôler. Ouais, ouais. De toute façon, c'est simple. Hein. Il ne s'est pas fait prendre le dos une seule fois. Il défend tout. Il défend tout. Il n'y a jamais les deux crochets qui rentrent. Et si ça rentre une demi-seconde, ça saute tout de suite. Donc, en termes de points, Pantoja, en JJB, il ne lui a pas pris le dos. Non. Il ne marque pas les points. Non, mais par contre, il, il contrôle derrière, des contrôles derrière. Il contrôle. Il... contrôles, bien sûr. Oui. Et mais, euh, euh, Pantoja, il prend le dos à tout le monde, normalement. Oui, c'est vrai. Là, à aucun moment, il a été en mesure de le verrouiller dans le dos. C'est vrai. Et là, il, enfin, il lui envoie son, son grand end justement, avec ce contrôle ce contrôle au sol. Euh, ça se relève, Pantoja veut, veut reprendre le dos, mais pareil, un scramble. Scramble, Et derrière, euh, derrière pas de souci, il arrive à défendre le dos. On arrive à la fin du, du premier round. Donc un premier round déjà très très... Euh, Très très animé, beaucoup de rythme, beaucoup de, de phases, euh, debout, au sol, en lutte. Franchement, voilà, ça donne le temps tout de suite. Le rythme. Je me, là, là j'ai un peu peur quand même parce que je me dis ce rythme-là sur quelqu'un qui n'a jamais fait de synchrone. Erse n'a jamais fait de synchrone. Le combat, il n'était pas forcément prévu pour. Hein, ce euh, n'est pas un short notice parce qu'il a quand même pas mal de temps, mais il sort d'un autre combat où, en fait, il n'a jamais eu le temps de préparer vraiment le 5 Donc Je me dis, j'ai peur qu'il ne qu tienne pas le rythme. C'est clair. En tout cas, Pantoja gagne, gagne se rend à l'aise. Ensuite, on a le rang 2. Euh, toujours une grosse pression de, de Pantoja euh, que Herseg essaie de, de contenir avec des front-kicks. Hein. On sait, on l'avait dit, c'est vraiment une arme qu'il utilise beaucoup, quelle que soit la jambe. Euh, donc c'est intelligent de mettre ça en place. On, on voit une maturité hein, d'Herseg hein, quand même hein, dans, dans le combat. Hein. Quel que soit, quel que soit en fait, ce qui est imposé, il essaye quand même de mettre des choses en place. Pas de panique. Ouais. On sent qu'il panique pas, et ça va euh, ce qu'on disait dans l'analyse. Hein, on sent quelqu'un de très intelligent, ouais, qui cherche vraiment des solutions. Euh... Ouais, il ne se laisse pas emballer par l'agressivité de Pantoja à rentrer dans une guerre. Ouais et puis tu vois qu'il écoute vraiment son coin. Ouais. Enfin, tu sais, euh, tu, il est très appliqué et il est très concentré dans son coin de la première à la dernière seconde. Enfin, tu mmh. vois, c'est vraiment, euh, tu vois, dans les interrondes, il n'y a pas de signe de fatigue, il est là, yes sir, yes sir. Tu sais, vraiment, pour le coup, tu sens qu'il est très attentif à ce qu'on qu lui dit. Il a une confiance aveugle dans son coin ouais. et ça, c'est une, une bonne chose. Euh, il commence à trouver sa distance avec son jab. Euh, mais Pantoja, il vient, il vient en contact et le ceinture et, euh, et il amène Erseg sur la tête. Alors cette amenée, elle est magnifique. Hein. Euh, body lock. Il euh, a un body lock de fou, euh, Pantoja. Oui. Quand, Parce... il a, quand il a, enroulé, alors que ce soit en ceinture arrière ou même euh, ceinture avant, peu importe, à partir du moment où ses mains sont verrouillées en body lock, vous allez tomber. Ouais, même au sol. Hein. Même au sol, il travaille beaucoup ouais. justement sur le body lock. Euh, donc, il, ouais, il le projette sur la tête, il arrive dans la demi-garde, euh, il arrive à prendre la montée. Alors, tu parlais qu'il n'avait pas réussi à prendre les points du dos, mais il a pris les points de la montée. <laughs> bon, ça ne dure pas bien longtemps hein, parce que, euh, parce que Herceg, il gère bien euh, justement le, le travail de Pantoja. Il, il arrive à le renverser, mais impossible de contrôler Pantoja à la cage. C'est un, ouais, un chat. C'est un chat. C'est fou. Non, pour, pour le coup, euh, il disait qu'il avait la meilleure team pour. Euh, pour le sol, entre guillemets. Je ne sais pas si c'était la meilleure team, mais en tout cas, ils sont bons. Enfin, après, c'est peut-être lui aussi qui est exceptionnel aussi, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, tu sens que tous les, les paramètres du sol et de la lutte sont, sont bien maîtrisés. RSEC Cadre, euh, il est précis. Euh, il a une anglaise, euh, enfin en anglaise notamment, justement, avec, euh, avec son crochet gauche euh, qu'il arrive à placer. Tu sais, vraiment, euh, c'est quelque chose qui... Tu sais, on en avait parlé de ce crochet gauche isolé, il le met euh, dans, dans ce rang-là. Euh, et c'est là où il commence à sortir ses coudes ouais, tu vois quoi, une sur fois, les entrées adaptation. de Pantoja exactement, nouvelle adaptation il sort ses coudes et franchement c'est des coudes qui ont été dévastateurs hein, qui ont ouvert euh, Pantoja justement euh, mais Pantoja il casse la distance et part en lutte euh, mais à la fin ça... j'ai eu ah, okay. un appel indésirable et eh oui donc euh, ça arrive souvent. Hein. C'est l'heure des appels indésirables. On est proche de ouais. à Toutes les plateformes là, c'est pour ça. Donc, euh, donc euh, oui, ça, ça, ça glisse. Hersec euh, euh, en fait, il sait il s'extraire. Sait, euh, tu sais, il essaye de en fait de le, de le planter vers l'avant et as, enfin, comme sur la première année, qui s'efface. Ouais, qui s'efface et t'as as, as Portoja qui tombe, mais qui qui s'écroule, mais il se relève très très vite euh, justement. Euh, Herseg finit euh, fort avec son anglaise et, euh, et ses coudes euh, mais euh, il, se fait encore amener, euh, et il se fait encore amener en fait en, en fin de ronde tu sens que dès qu'il y a beaucoup de pression comme d'habitude Pantoja intelligemment il cherche la lutte ouais euh, mais tu sens quand même que Herseg il commence à toucher un peu plus en striking il commence à, à pouvoir lâcher parce que Pantoja son rythme commence à diminuer un peu euh, quand il est debout exactement, ce bah, round moi je le donne à Herseg hein, personnellement moi, je le donne à Pantoja quand même. Bah alors, il y a les deux. Tu vois, on, on verra tout à l'heure euh, sur les, les, les arbitres, enfin les, les arbitres, les juges. Et il euh, y en a qui, qui donnent, euh, qui donnent le, le, ce round-là à Pantoja, d'autres à RSEC. Moi, je le donne à RSEC parce que parce que c'est là où tu, il commence à être beaucoup plus précis euh, sur sa box. Tu vois, il, il touche beaucoup plus, euh, il a beaucoup plus de réussite. et, euh, et dans le volume de frappe, j'ai l'impression quand même qu'il touche plus Pantoja, qui a un peu de mal à trouver sa distance. Et surtout, il euh, y a des amenés au sol, certes, mais euh, il mais n'y a, y a pas non plus un dégât de fou une fois que c'est au sol. Tu vois. Ouais, 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 non. Mais alors, il y a, comme tu as dit, il commence à toucher. Alors, il touche plus que dans le premier round, oui. Mais Pantogé, il touche toujours autant. Je, je le sens toujours aussi dangereux debout. Sur ses entrées, il touche aussi. En fait, c'est des échanges à chaque fois. Hein. Et ça dépend du point de vue qu'on a, de qui va toucher le plus dur. Mais dans, dans l'entièreté du MMA, pour moi, Pantogé, il a dominé. C'est-à-dire que c'est ouais. très serré en striking. On peut mettre Rsec légèrement devant, mais avec tout le travail à côté de Pantoja sur la lutte, etc. Ça, ça me fait basculer sur Pantoja. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pas déconnant. Hein. Toute, de toute façon, comme je dis, à partir du moment où il y a des juges condamnés pour l'un pour l'autre, c'est que... Mais dans le ressenti, on sent que Ersek commence à être de mieux en mieux dans ce combat. Ouais, c'est exactement ça. Il prend ses marques. Et puis tu sens que Pantoja aussi intelligemment, il laisse filer quelques, tu vois, quelques actions, puis après il revient. Il a, il a conscience de toute façon que lui, son cardio, tu vois, il, il doit le gérer, et il le fait très bien de toute façon. Il sait, il sait quand il faut accélérer, il sait quand il faut lever le pied. C'est vraiment mmh. ça. Maintenant, c'est risqué, parce que quand même, moi, dans, dans mon scoring final, il y aura deux rende partout euh, au quatrième. Tu vois. Donc, euh, donc, quand même, ça veut dire que potentiellement, si tu foires ton dernier rende, bah, tu n'es pas bon. Rende 3, Herseg sort tout de suite les coudes euh, et Pantoja remet la pression. C'est là, tu vois, je t'ai dit, il a laissé un peu filer le deuxième pour revenir fort dans le troisième. Pantoja prend des frappes, mais euh, elles, pour moi, elles ne sont, euh, sont jamais gratuites. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a de l'échange, elles ne sont jamais gratuites. Et en fait, le, tr le, le truc que j'ai vu dans ce là c'est que quand il en prend une, il rend double. Tu vois, c'est-à-dire, il va en rendre deux, il va en rendre trois. Tu vois, c'est vraiment, il essaye d'avoir un volume plus grand que celui de, de Erseg. Mmh. On a un Pantoja qui colle à la cage avec des genoux au corps. Là, ils se font mal, ces genoux. Ils sont, ils sont bons. Hein. Tu sens qu'il est, il est bon dans le contrôle et c'est pour ça qu'il arrive à placer des genoux euh, des genoux bien 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 incisifs, quand même. Ersek place un magnifique coude en contre. Alors, ça, c'est son plus beau coude. C'est celui-là de... qui a fait mal. Oh c'est celui-là qui a fait très mal. C'est là où il l'ouvre. Ouais. ouais, ouais. Encore une euh... fois, quelle intelligence de Pantoja. Il, il le prend et instantanément, il shoot, en fait. Il shoot, il le colle à la cage. Il le colle à la cage. Donc, même s'il était sonné par ce coup de coude on peut même pas le savoir parce qu'il est déjà oui. au contact en train de pousser à la cage en train de récupérer et as vu en plus le contrôle est tellement bon qu'il prend le temps de poser sa et main sur ouais. il pose ouais, sa main pour, euh, voir. pour voir l'ampleur des dégâts c'est euh, ça montre une, une maturité de malade enfin tu vois c'est vraiment voilà il est champion il a le calibre champion pour le coup ouais. c'est vraiment ça euh, donc, euh, donc voilà, euh, Pantoja amène et, et tombe en demi. Euh, il, il a, comme d'habitude, on l'avait dit, hein, le contrôle des lignes, de la ligne de hanche, de la ligne d'épaule chez Pantoja, de passer, enfin tu vois, de bien marquer ses temps. Euh, là, tu vois, il le fait vraiment à ce moment-là, justement en contrôlant la ligne de hanche euh, sur, euh, sur la réaction d'Erseg euh, pour se relever. Tu vois, il roule bien en scramble euh, justement pour le, pour le dos, tu vois, pour essayer d'aller prendre le dos. Il a une suite d'actions. Ah, les deux, en, en termes de scramble, ils nous ont fait du... du... C'était magnifique. magnifique. Tu d'action-réaction, c'était mmh. vraiment beau. Euh, Pantoja reste dominant euh, justement sur, sur le contrôle. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près l'essentiel de ce qui s'est passé de vraiment important dans ce round là Mais ah, oui, es il, est toujours, sur, il est toujours à l'initiative de, de, de rechercher la, la meilleure position. Et Arcec, il est toujours en train de défendre. Mais il défend parfaitement. Mais du oui. coup, comme il est tout le temps en défense, il ne peut rien faire. De toute façon, tu sens que même s'il euh, il inverse la position... Il n'a pas, pas ce qu'il faut pour contrôler euh, Pantoja en dessous. À chaque fois qu'il a inversé, de toute façon, Pantoja, il est toujours… Dans la perdu. seconde, ça ressent. Non, non c'est clair. C'est clair. Parce qu'il y a eu des moments. Hein. Il a eu ses moments au sol. Mais euh, ça n'a jamais été très long, quoi. Euh, de Pantoja, on est d'accord là-dessus Ouais, ouais, 19. Pour moi, là, pour l'instant, j'ai trois rangs de Pantoja. Moi, j'ai deux à un, pour l'instant. Rand 4, euh, les déplacements d'Erseg pour éviter justement les attaques sont clean. Euh, franchement, c'est là où, bah, en fait, tu vois, et c'est là, surtout dans ce round-là, où on avait dit si tu as moins de, de rythme de la part de Pantoja et que justement, Erseg est dans son rythme à lui, là, il est masterclass sur la boxe. Tu vois, sur les déplacements, sur ouais. le fait de cadrer, sur le fait de toucher. C'est son mais... meilleur round. C'est son meilleur round. Donc, euh, des déplacements magnifiques. Euh, il tente un double leg avec crochetage mais Pantoja, comme d'habitude, très facilement, il va extraire sa jambe. Hop, il va le laisser là, tranquillement. En termes tu sais, de. Alors ça, j'ai pas compris, tu vois. Pourquoi il shoote Pourquoi il shoote euh, Parce je... que tu as, as les réponses juste avant. Ouais. As les réponses juste avant sur le fait que si tu l'as, même si tu le mets sur le dos, tu peux pas le contrôler. Ouais. Donc il y a pas d'intérêt. On, on dit souvent que tu vois, c'est intéressant d'amener le mec dans le domaine où il, il, il est censé être fort. De, de le battre dans son propre domaine ouais mais si tu peux le faire là t'as eu la réponse juste avant c'est impossible non mais ça se trouve il l'a shooté parce qu'il s'est dit ouais, il commence à fatiguer vas-y on y va on tente ouais mais tu le domines debout mais tu le domines debout on est d'accord Erseg euh, lance euh, un uppercut de crochet euh, sur, euh, sur une esquive de, de, de toute beauté franchement c'est beau hein. il a un niveau de boxe qui est phénoménal hein. Franchement, c'était magnifique de voir ce, 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 cet enchaînement-là. En fait, tout, il esquive, il de crochet. Pantoja récupère, euh, et, euh, mais ce rythme convient, ce, ce rythme convient en fait vraiment à Herseg qui, qui place ses jabs, qui place ses, con, euh, enfin, ses contre euh, sur un Pantoja qui, qui met moins de pression. Euh, plus immobile, donc euh, ouais. forcément plus facile, plus facile à boxer, il ne tente, tente pas d'amener non plus. C'est un round de récup en fait, mais ça, ça, ouais. ça colle avec. Euh, je, je sais plus où j'ai entendu ça, mais euh, les gens disaient que dans le coin de, de Pantoja, ces, ces euh, hommes de coin lui ont dit qu'il gagnait les trois rounds. Ouais. Donc lui, euh, je gagne les trois rounds, j'ai gagné le combat finalement, même si je perds les deux suivants. Donc il se met en mode récup. Alors oui et non parce que quand même. alors il lui disent sûrement ça, mais ils lui disent quand même à l'entame du round 5, on a besoin du dernier. Oui. Non mais moi je te parle en fait à la fin du troisième round, ils lui disent ouais. qu'il les trois premiers rounds. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il se relâche, je pense, au quatrième round. Ah, oui, parce oui, que oui, tu sens qu'il fait rien au quatrième round. Ouais. Il est vraiment en mode récup et il en garde sous, sous le pied justement pour le cinquième. C'est ça. On a un RSEG aussi qui cherche un double leg encore une fois hein, en fin de round, mais euh, se facilement par Pantoja. Tu vois Donc ouais. encore une fois, il, voilà, il a tenté. Moi, j'ai pas compris. Moi, pas compris. On sait que la lutte, c'est une dépense d'énergie folle. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas, euh, même pour lui, stratégiquement, c'est pas fou de tenter ça, parce qu'il dépense bien moins d'énergie sur, euh, sur sa boxe et, euh, et en plus, il fait plus de dégâts. J'ai pas compris. Bah, c'est là où tu vois qu'il y a peut-être un petit manque d'expérience. Qui va ouais. venir avec le temps. Mais ce combat-là, lui, en aura donné énormément de toute façon. Alors ça, c'est sûr qu'il a fait un bon, un bon de malade. Mais euh, bon, il prend le round clairement. 19 clairement. Ouais, sans problème. Euh, round 5, Pantoja euh, remet la pression et Herseg en profite pour, euh, pour scorer. Cette fois-ci, un beau double leg. Là, il a réussi. Bah, sous la pression, de hein, toute façon, avec un, un bon timing parfait, mais rapidement, tu vois, Pantoja qui renverse la situation, qui le ceinture dans le dos. Euh, Herseg défend toujours très bien. Alors il reste debout, tu vois, il reste très stable. Il, fait, il prend bien garde de ne pas attraper la cage. Tu sais, de poser la main dessus, mais il l'attrape sur la première. Sur la première, mais après tu vois même... clairement et tu sens qu'il l'attrape par réflexe, et il se dit ah merde j'aurais pas dû, tu vois, ah, tu sens qu'il relâche tout de suite. C'est Après il montre bien justement. Il, il ouvre la main les... pour montrer c est c est ça. Mais mais c'est bien parce que c'est bah, il est honnête, tu vois. Ça ça par contre ça montre aussi euh, le, le côté fair play de, du combattant, tu vois, très très honnête. Euh, les contre de Herseg en uppercut. Euh, et en crochet ou en coude sont parfaits, toujours. D'ailleurs, même sur les descentes, hein, quand, quand tu vois Pantoja qui essaie de descendre, tu vois, qu'il met les supercutes euh, pour essayer de le, le, le prendre le prendre dans, le, dans la descente. Euh, Pantoja fait, des, euh, fait toujours des dégâts, mais plus en ligne basse avec ses calf kicks, tu vois, qui, qui commence à remettre. Ersek tente de nouveau un double leg, mais Pantoja euh, il roule pour attaquer la jambe. Ah, J'ai adoré cette phase. Il arrive, voilà. il lui monte. En fait, il attaque le double leg. Il lui donne le dos. Il roule pour attaquer la clé de genou. Il voit que c'est déjà presque sorti de la part de Erseg. Il, il remonte en demi-garde inversée. Euh, enfin, en inversion de demi-garde. Ce pas une demi-garde inversée, en inversion de demi-garde. Euh, pour revenir face à Erseg rapidement, qui a essayé de, de revenir en dogfight, ses bras sous les l'aisselle. Enfin, tu vois, il y a une lecture du jeu des deux côtés qui est très bonne, mais il y a toujours ce côté. Euh, euh, plus fort euh, et plus, plus entreprenant justement de, du côté de, de, euh, de Pantoja. Ersek qui tente le renversement euh, en, en pontant, mais, euh, mais c'est bien géré par Pantoja qui revient en demi-garde, toujours encore une fois en inversion de demi-garde, avec le bras à l'intérieur de la cuisse justement pour l'empêcher de remonter sur lui. Euh, tout est parfait hein, dans les contrôles, comme d'habitude on l'avait dit dans l'analyse. Ersek va tout faire pour se relever, mais Pantoja passera euh, d'une position à une autre et finira en grand en pande dans la demi-garde. Enfin, franchement, euh, voilà, là où Erseg il a su se relever à chaque fois, là pour le coup, Pantoja il a eu à cœur de, de vraiment tout donner dans ce dernier round pour, euh, pour le garder au sol. En fait, tout simplement, il avait besoin de ça. Il l'a gardé au sol. Il finit en grand n'importe. Round à Pantoja, à l'aise. À Pantoja, à cause de, euh, on ne sait pas comment ça serait passé s'il n'y avait pas eu cette tentative. Mais ouais. c'est quand même la tentative qui le, le précipite vers, euh, vers la, la perte du round. Hein. Ouais. Ouais. Ah, mais je pense que tu sais, Pantogia, il doit cogner dur aussi, et qu'il y a des moments où tu te dis, ah, ça serait bien quand même de ah, Surtout qu'au début du round, il réussit un double lay. Oui, c'est ça. tout donc, début. Il, il le réussit, donc il se dit, c'est peut-être possible. Ouais. Sauf que, bah non. Non, ça le, ça le met dedans. Maintenant, franchement, son sol, moi j'ai kiffé. Hein. C'est ses défenses, en fait. Comment il recompose. Il, a, il accepte rien. La montée, boum, il récupère le bout de pied, il inverse les hanches de garde bras sous laissé, il remonte. Euh, le dos, pareil, ça tourne tout de suite. Il défend les crochets, il est sur tous les dos. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Il se laisse pas contrôler. Contra... Alors qu'on avait dit que Pantoja c'est un des seuls dans cette catégorie, être capable de contrôler ses adversaires longtemps au sol, lui ne se laisse pas contrôler. Non, non c'est pour ça. Il, il y a eu un combat exceptionnel et Arceg il mérite complètement d'être là. Tu vois, c'était pas un title shot donné comme ça, un mec qui méritait pas. Lui pour le coup il méritait complètement d'être. Il était à sa place dans ce title shot là. J'ai hâte de voir la suite pour lui. J'ai hâte de ouais. voir les combats. Entre d'autres profils comme Moreno, comme Royval, comme tous ces, toutes ces personnes-là. franchement, c'est Moi, euh... je veux pas de revanche. Hein. Non, ça. ça parlait potentiellement d'avoir des, des revanches. Euh, une non. revanche veut dire, non, non, il faut le laisser évoluer. Il nous a montré qu'il était au niveau là. Laissez-le faire deux, trois combats. Prendre de l'expérience encore. Et euh, dans deux, trois combats, euh, potentiellement, honnêtement, il peut avoir la ceinture. Je, ah, clairement. je mets un billet dessus. Parce que même question... là, s'il y avait revanche immédiate... Ça, il, peut il, il peut la prendre. Ouais. Il peut la prendre s'il fait les bonnes adaptations. Donc, dans deux trois combats, quand il aura vu plus de profils, etc., ça va, ça va le faire. Il faut qu'il prenne du top 5, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Faut il faut qu'il prenne du Rival, du Moreno. Et même, ça va donner d'autres beaux combats dans cette KT, parce que finalement, cette KT, elle tourne en rond. Et oui. Et On lui, a c'est. qu'il y a que les combats peu. pour la ceinture. C'est un peu le mec, là, qui, comme ça, qui va redonner du renouveau à la KT. Ouais. Donc Parce que c'est un style qui... différent, c'est un rythme aussi différent, qui est plus posé. Donc, ouais. euh, c'est pas mal. En tout cas, décision unanime pour Pantoja avec un 48-47 fois 2. Il euh, bah, y a deux juges qui ont donné euh, le 2 et le 4 à Erseg et un 49-46 avec un juge qui a donné justement, euh, seulement le rang 4 à Erseg. Euh, ils se sont donné beaucoup de respect. Euh, juste, enfin, lui, surtout, Pantoja, il a donné beaucoup de respect à Erseg. Il a reconnu la, la valeur de son adversaire. Erseg déçu, normal. Euh, bon, je euh, ne peux pas traduire parce que, franchement, sa manière de parler est très compliqué, Je ne comprends pas. j'ai pas compris. Donc, euh, donc voilà, je ne peux pas vous dire ce qu'il qu a dit, mais ça avait l'air très intéressant. Mais en tout cas, il était très déçu. <laughs> En ouais. tout cas, voilà. Euh, une, carte, euh, une carte principale qui se laissait regarder. Ce n'était pas la carte du siècle, mais en tout cas, pour le coup, euh, tu vois, on se disait qu'il y aura du mal après l'UFC 300 tu vois, de, de redémarrer. Bon, écoute, En tout cas, ça se laissait ça se laissait bien regarder, cette carte 300. Euh, écoute, Comme on s'attendait à rien, en tout cas, moi, pour en part, je m'attendais vraiment à rien. Je pas déçu. Je ne pouvais pas être déçu. Voilà. Et puis, euh, comme je disais euh, avec Stéphane sur, euh, sur Instagram, on en parlait. Et je lui disais que finalement, en termes sportifs. Ça apporte pas grand chose, cette carte. Tu vois, non. sur les, les précédents combats, sur, sur les trois premiers combats, sportivement, il n'y a pas vraiment de valeur. Par contre, en termes de spectacle, c'est pas fait chier. Il y a eu du finish. Non, c'était pas mal. C'était pas dégueu. On est d'accord. On est d'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de cette carte. Euh, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, euh, la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Euh, toujours le lien Tipeee en description. Euh, petit update niveau textile. J'attends une casquette là, euh, qui va arriver bientôt, mais euh, qui sera pas comme ça, euh, qui sera brodée. Euh, donc euh, avec une, un petit carré de tissu brodé. Euh, alors là ce sera noir et or je vous la montrerai enfin j'attends le résultat hein. j'attends de voir si ça passe ou pas mais en tout cas voilà euh, qui, euh, qui, qui serait sur du print on demande donc les gens pourraient commander comme ils le veulent euh, donc, donc, euh, donc voilà on va voir j'attends ce résultat là je, je spoil pas pour l'instant en trop mais euh, si ça passe en tout cas voilà on pourrait commencer à commercialiser ces, ces petites casquettes au moins et puis peut-être d'autres choses on verra donc euh, à voir à voir pour la suite en tout cas pour nous il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut, salut.